Yeşil bir baraj var. Thiago da barajın içerisinde Olympique Lyon takımından. Juninho kaleye gidiyor. Ritaj ve gol! Müthiş bir gol! O mesafe tanımaz dedik ve o mesafeyi yine tanımadı. Kaleci İtanji da tanımadı ve topu ağlara gönderdi. Geçen haftaki servis atışlarında hep bu bölgelerde bile en az 3-4 oyuncuyla baraj yapıyorlardı. İki oyuncuyu yeterli gördü aslında. Görmemesi lazımdı ki bu bölgeden çok golü var. Bir kez daha izliyoruz. Müthiş bir vuruş. Kaleci İtanji uzanıyor. Ona rağmen topu ağlarda. Gerçekten de harika bir gol. Olympique Lyon deplasmanda 1-0 önde. Forvet oyuncularının sakat olduğu bir karşılaşma dedik. Böylesine pozisyonlarda tabii ki Juninho'ya iş düşüyor dedik. Juninho da 23. dakikada attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. Karşı biraz kararsız kalmış. Juninho Pernambucano. El Olympique crece 4-2. Hay partido. A mí me parece que hay falta en el inicio de la jugada de César Delgado. Sí, yo también. Pero a todo esto, que ya hay partido. Claro que hay partido. Pulsión y es lui qui trompe son gardien. Juninho. Bon ballon vert. Et ses partenaires. Il y avait une bonne ouverture de Juninho. Il l'a déjà marqué dans des. Ça va bouger avec la frappe directe de Juninho. Oh, et c'est le but. Oh, tout le monde attendait. Personne ne s'y attendait. Et il inscrit à son 24e coup franc sous les. Capuzón arriba, la dejada es buena de Benzema. Atención a Juninho, el centro. Esa tenía que haber sido. Berseca, est-ce que son arrive à trouver là-bas? Quand deux techniciens se rencontrent. Juninho, oh qui est bon ce ballon encore. Ouais, Juninho! 89e but pour Juninho! Sous le maillot de l'OL. Remarquable action. Remarquable action. Ah, et puis une nouvelle fois, Camillard, Anton Réveillère. Il est beau. On est content pour ah, Julie, qui signe heureux, son retour. Ah, il est heureux de Julie. Anton Réveillère, on va le revoir Richard. Kader Keita qui va, Julie qui va servir Kader Keita. Le dédoublement d'Anton Réveillère, le ballon dans le bon tempo. Et le super ballon en retrait. Et Julie qui ajuste. Julie au départ, Julie à la fin. Le retour de Juninho. Quatrième but lyonnais. 6 buts dans cette rencontre. Ça se frappe. On va le revoir Richard. Bon contrôle de Mathieu Bommer. Et Juninho derrière va trouver Kader Keita. Qui va attendre. Hein. Il va attendre l'appel d'Anthony Réveillère. Et derrière, on regarde comme il se couche bien sur ce ballon pour l'enrouler. Et une nouvelle fois Landreau. De... Et il y a corner Alain. Corner tiré par Juninho. C'est fait avec une bonne tête piquée. Le sauvetage sur la ligne. Can he test the goalkeeper? Carrasco's already pulled off one fabulous save from Schallström. Juninho. Oh. Picked that one out. Free kick taker in the world football. And again, you're going to see Carrasco absolutely pinned to his line. As he gets it up and under so quickly, goes one way, it's in the top corner. Il joue pour le 15e, Juninho. Et Lyon qui revient de but partout. Et il peut faire mieux, il peut faire mieux. Acción muy peligrosa sobre la portería del Barcelona, lanzamiento de Juninho. Gol. Gol del Olympique de Lyon. Gol de Juninho Pernambucano. A los 6 de la primera parte, lanzamiento de falta. No sé qué le ha pasado a Víctor Valdés. En fantaisie, trouve le Benzema qui va provoquer, qui va provoquer, qui provoque, qui peut centrer. Oh oui, il est bon, c'est ça. Oui, Juninho. Juninho. Quel but de la tête de Juninho, son troisième sous le maillot olympien. But quel caviar. Quelle merveille de but. Quel caviar de Benzema. Quelle merveille de but. Karim Benzema. Belle impulsion de Juli et quel travail aussi de Kader Keita avec ce ballon pour Karim Benzema qui va gagner son duel face à Traoré et piquer ce petit ballon deuxième poteau et super coup de tête de Juli. Ah bah ça fait du bien. Sochaux ici, le PSG à Paris et aujourd'hui contre Valenciennes. Ah, on voit le petit... Voilà le troisième but de la tête sur les 80 qu'il a marqué pour Juninho.
On voit le travail de Karim qui va mettre son ballon avec l'ampé droit et qui va réussir à soulever son ballon pour l'emmener au deuxième poteau. Et derrière, ce Juni d'une superbe détente vient piquer le ballon au fond des filets. Là, il est content, Juni, c'est bien. Et une nouvelle fois, Benzema dans le coup, Richard. Taxi. Victor est parti premier poteau. Ça va se jouer avec l'égalisation. Juninho. Oui, bonne fois. Allez. Un tout petit dixième de seconde, Edman. Regardez, on a l'impression que le ballon va partir côté. Ah, Juninho, c'est bien fait ça pour Sidney Govou. Oui, si. Le ballon piqué vite. Oh, aïe, aïe, aïe. On revoit le bon contrôle de Juninho. La bonne passe. Et ce petit piqué magnifique, il avait levé la tête. Que Nicolas Pinto était avancé. Bah, lui aussi fait un bon contrôle, 6% de le ballon. Oh là, c'est magnifique. Magnifique ce qu'a fait Sidney. Magnifique. Ah, il est en jeu en ce moment, Sidney. Vraiment. Oh là là, qu'est-ce que c'est bien joué. Qu'est-ce que c'est bien joué. Allez, Juninho, il est à quoi, 35 mètres. De la ligne de Iker Casillas. Il a devant lui un mur à 3, elle tente la frappe. Ah, le voilà. Et Roland Courbis avait raison. Coup franc de Juninho. Juninho pour le corner. Voilà les 15 dernières minutes, les 15 minutes de vérité pour l'Olympique Lyonnais. La reprise, elle est belle. Elle est que de but dans ce Lyon-Lille. Et Juninho toujours. Le coup franc. Et on revoit là. Il va frapper, hein. Il va mettre oui, pour les autres. Il y en a moins, il y en a une dizaine avant, mais là, lui, ça normalement. Doit être cadré. Ça doit être cadré. 37 mètres. Ça doit être cadré, Juninho. Talent représenté par la fusée de Juninho. Terrible, vous voyez comment on disait l'échauffement normalement pour un joueur de ce talent, c'est fini. Le deuxième fut le bon, et là Juninho ne peut absolument rien, il y avait beaucoup trop de monde devant. Et oui, le ballon qui flotte, la trajectoire est parfaite. Sensation de que ya el trabajo está hecho. Atención a Juninho Pernambucano. Ahí va Juninho, el envío buenísimo. Y madre mía, la. Festival ce soir. Ouais, il y a Fabio Grosso là-bas. Oh là là, bon ballon. Ça, c'est un caviar. Hein. Oh là là. Maudit Traoré. Ouais, le maudit Traoré ce soir. Hein. Alors, on revoit Richard. Ah, ce serait cruel, ce serait cruel. Oh, il marre. Oh là là. Il marre, Sébastien. Non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Juninho qui avait pu marquer depuis des mois sur coup franc. Et là, eh ben, un ballon qui rebondit juste en seul mandanda, c'est un peu l'image, hein. C'est le symbole de toute cette soirée. L'image de toute cette soirée, les Lyonnais en compte, qui ont eu pas énormément d'occasions, mais sur un coup franc, j'allais dire presque anodin. Mauvais ballon, mauvais rebond, qui surprend Stéphane Mandanda. Voilà, c'est parce que des matchs comme ça, ils n'en gagneront pas des dizaines et dizaines qui sont le ballon. Ballon toujours flottant, ces ballons bizarres de Juninho. Avec voilà. La surface réveillère, le centre. Et c'est repris par Juninho avec la fin d'abord. Juninho qui va pouvoir être passé. Juninho, le pied droit devant le but. Ouais, le poteau. Il est un peu loin. Mais non, il n'est pas loin. Rien n'est trop loin pour Juninho. Oh les chefs-d'œuvre! Oh, c'est son 18e coup franc sous les couleurs de l'OL! Oh, Thomas Schacht complètement! Le pénalty du bonheur! Allez, mon grand! Et voilà! Juninho! Ah, quel match! Quel match! Quel match! Allez! Il faut tenir! Il faut tenir! Une
de Guy Roger. C'est vrai que le Real, avant, c'était les Galactiques. Il dit aujourd'hui, c'est devenu les Hermétiques. Attention, attention, but, 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 et le but, 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 le but, but, contre, but, juste au moment où je parlais. Des Hermétiques. Des Hermétiques du Real. Et ben, un peu violente, en tout cas, au bout de Jean-Charles Cailleux. Ouais. Juninho face à Lionel Letizy et surtout, surtout un mur qui n'est pas à distance pour l'instant. Voilà qui est chance faite. Juninho. Là, il va frapper en roulé. Elle est dedans. Juninho remet Lyon dans le sens de la marche. C'était annoncé. Ça s'est une nouvelle fois vérifié. En tout cas, là, c'est parfaitement ajusté. Y avait-il faute ou pas? En a-t-il rajouté Juninho sur la charge de Cyril Roll? En tout cas, le coup franc. Sur le milieu de terrain en cette fin de rencontre. Benzema qui talonne, c'est judicieux vers tout l'allant. Oh, quelle passe! Oh, quelle passe! Et le but! Et le doublé pour Juninho! Mais quelle action de. Allez, quelle action! Ça va vite avec ce ballon donné par tout l'allant. Et c'est là qu'il joue bien, Juninho. Coup franc joué par Juninho. Une frappe! Oh, le but! Elle est déviée! Elle est déviée par John Carew. Et Lyon qui ouvre le score. Ça revient de Juninho. La frappe peut-être de Juninho, non? Le centre. Eh ouais, il choisit de jouer Clément en retrait pour Diarra. Oh, quelle frappe! Oh, quelle... oh, il l'a travaillé. Et Florent Malouda au premier poteau sonne sans doute. Levé le ballon, s'allait un petit peu mieux, mais repoussé quand même par Demelo qui est venu défendre. Juninho, bien écarté avec Chris peut-être. Beaucoup de mouvements dans cette surface de réparation niçoise avec les Lyonnais montés aux avant-postes. Une tête qui s'élève au-dessus, c'est celle de Mathieu Bonnemer sur le poteau. Une fois, des Lyonnais qui en première période étaient plutôt dans la réaction que dans l'action. Allez, Juninho, c'est parti. Oh oui, oh oui. Et c'est but. Oh oui. Nous on est placé, on peut pas être mieux placé. Ouais. Quand le ballon part, on voit Lutsenko déjà à l'agonie. Et quand il plonge, le ballon non. Mais c'est une manche, hein. Négligence à l'entrée du premier poteau, mais surtout un très beau saut. Qui s'avance. Il est pas de 15, c'est là. Ouais, Juninho, c'est but. Il est capable de tout. Pas, Juninho. Pas 100%, mais 99%. Ah, il est énorme. Un coup, c'est la lucarne. Un coup, c'est le soupirail. Qui permet à Lyon de revenir à un but partout. Le ballon a-t-il été touché ou pas? Je crois pas. Non, pas du tout. Et j'espère et je pense que Fred joue merveilleusement le coup. S'il a déjà marqué une fois, c'était à Ajaccio, hein, quasiment dans cette position il y a 4-5 ans. Fort derrière la défense. Alors ça ne sera pas accordé. Ah, il est accordé. Oh là là, ça va faire parler. Erreur d'arbitrage, monsieur Jean-Charles. C'est sûr. Mais l'arbitre assistant, Jean-Charles Cailleux, considère que l'attaquant qui était devant Lionel Letizy ne participe pas à l'action et ne fait pas action de jeu. Moi, je suis pas d'accord. Alors, donc là, il n'est pas en position de hors-jeu. Donc voilà, donc il n'est pas en position de hors-jeu. Donc le but est accordé et c'est normal. Ça donne un corner en tout cas pour l'OL. Avec au bout.
c'est pas mal ces ballons. Juninho. Ouais but. C'est Chris qui a touché le dernier ballon. Kaou. Ah ben, c'est le doublé pour John Kaou, le Norvégien, ce soir à Athènes. Et l'Olympique Lyonnais qui mène 4 buts à 1 face à Olympia. Juninho. Busquets, balón que recupera Juninho. Qui se l'emmène, qui le garde, qui retrouve Kallström, qui décale Juninho, qui va retrouver le... On va demander ce ballon. Et on voit un Fred plus actif qu'à quand. Juninho en deux temps sur ce corner. Oui. Le centre. Lyon veut gagner ce match et en finir une bonne fois pour toutes avec la rébellion Gironde. Ça va être la réparation. Et Juninho de nouveau, la louche de Juni. Et c'est frappé sur la barre. Douda et Fred Rode devant. Dans l'axe, Bombi. Il est bien frappé, il est bien frappé. Avec le corner à venir pour Juni. Le buteur pour l'instant de cette équipe lyonnaise. Ah oui. Oui, Toto. Possédé par Evra. C'est parti pour Juninho. Deuxième poteau. On s'est soulevé Gara et s'est relevé Gara. Oui, presque. Juninho une nouvelle fois au corner. Oui, but, oui. Des risques. Troisième corner de la deuxième période. Dévier ses ballons. Là, il regarde, là, maintenant, il regarde les chocs. Premier poteau. Il a touché Casillas. Le ballon qui tranquillement assure ses passes, qui accélère aussi pour aller de l'avant. C'est terrible. Qui ne refuse pas. Ah, ça va être un peu long ça. Le corner. Reprise de Cristiano Ronaldo. Oh, le dégagement de Juninho. Il y avait une grosse occasion là. Il y aura une minute de temps additionnel. Hein. Et deux frappes seulement valenciennoises. Deux frappes. C'est parti pour le corner. Premier poteau renvoyé par Juninho.